Salut à tous les fans de Ride. Aujourd'hui, on va parler fête foraine. On continue donc avec les vidéos de la fête foraine de Chalon-sur-Saône. Cette fois-ci, pour cette vidéo, je vais vous parler d'un manège que c'est la deuxième fois que je le voyais, mais la toute première fois que je fais une vidéo. Il s'agit du Super Bowl. Donc, pour ce Super Bowl, pour vous expliquer un peu quel manège c'est, je vous laisse avec une petite photo. Vous avez donc vu le Super Bowl, peut-être vous connaissez ce genre de manège. On peut citer des manèges similaires comme les Flipper Us. Donc voilà, les Flipper Us, c'est exactement le même type de métier, sauf qu'ils ont une nacelle qui sont inclinées, en plus, au niveau du plateau. Donc vous voyez qu'il y a chaque nacelle en forme donc, de ballon de Super Bowl qui sont donc au niveau du plateau, puis le plateau va se lever et ensuite il va se rabaisser. En fait, c'est comme les Shake-Off Technical Park. Mais c'est donc, vous voyez, avec d'autres types de nacelles. Au niveau de ce Super Bowl, donc le constructeur c'est SDC. Il a tourné donc sous direction de le forain qui est actuellement le balancier rock'n'roll. Il a été vendu maintenant il tourne sur direction Remont. Et il y a eu des modifications. Donc pour citer un peu l'historique, il y a eu une modification, un restylage, puisque les nacelles ont été repeintes. Il y a eu d'autres modifications au niveau du moteur, puisque désormais on a un moteur, le même type de moteur que sur les Flipper Us, et les propriétaires du manège ont la TÜV allemande, puisque c'est ce qu'ils m'ont dit lors de mon passage à la fête. Tout de suite donc, on va passer à la vidéo on-ride, que j'ai fait donc, j'ai réalisé cette vidéo en compagnie de Victor, où nous avons fait le tour ensemble, et on était très surpris de la vitesse. Je vous laisse découvrir tout cela avec la vidéo on-ride. Alors je vois tout le monde est en l'air, allez tout le monde! Lâchez-la la petite barrière, faites du bruit! Je vous entends crier bien fort! Plus fort! Ouais! Allez tout le monde est en l'air, tout le monde, tout le monde! Tout le monde, j'ai dit! Moi je peux pas trop parce que si le bouton revient devant la GoPro. Respirez, c'est de la bonne, c'est de la bonne! C'est de la bonne! Hein. Allez, on va tomber de la bonne, de la bonne, ouais! Un petit conseil, fermez les yeux et écoutez, surtout branchez-vous! Moi, je trouve il est beau comme ça avec les nacelles. Hein. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Moi quand je l'ai fait au radio, il n'envoyait qu'à la fin.
t'avais la mâchoire qui partait en arrière tellement il était fou. Non, on va couler. Oh. C'est pas mal, hein. Ouais, ouais. Et là, tu auras. Personnellement, j'ai adoré ce manège. Que dire, c'est un des premiers manèges à forte sensation que j'avais fait à Oradour-sur-Vair en 2014, qui est une de mes fêtes foraines préférées. J'avais donc hâte de le revoir et il tourne vraiment plus vite. C'est incomparable. D'ailleurs, j'en avais parlé sur certains forums de passionnés de fêtes foraines. J'avais dit, pour citer, que les vidéos on-ride permettaient de voir la vitesse des manèges, puisque si on regardait une vidéo on-ride d'avant du Super Bowl et de maintenant, on voyait qu'il tournait plus vite. Eh bien, ça se voyait sur les vidéos, je l'ai vraiment ressenti, donc oui, c'est vrai, il tourne plus vite. Et franchement, il procure de très très bonnes sensations. Personnellement, je trouve qu'il est plus incliné, même qu'un Flipper Us. Il va peut-être un petit peu moins vite, quoique. Donc j'ai trouvé même qu'il était plus sensationnel qu'un Flipper Us. C'est personnel, après peut-être que vous trouverez qu'il est moins sensationnel. À vous de voir. Personnellement, je trouvais qu'il était plus. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez aller la liker juste en dessous, donc mettre un petit pouce bleu,
Vous pouvez aussi commenter pour qu'on discute de la fête de Chalon, du Super Bowl ou de toute autre discussion. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo du mois juste avant. Je vous invite à poser vos questions ici ou sous la vidéo du mois si vous ne l'avez pas encore vue, où je vous répondrai à vos questions dans un mois, puisque c'est une vidéo mensuelle et j'en réaliserai chaque milieu de mois, à peu près autour du 15, je vais essayer de respecter ça. Sinon aussi, je vous invite donc à partager la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Voilà, vous pourrez suivre ainsi les prochaines vidéos ou revoir les anciennes, si vous ne les avez pas déjà vues. Enfin, vous pouvez aller voir dans la description, puisque j'indique le site où je mets mes reportages sur les fêtes foraines, et vous pouvez aller y faire un tour. Également, il y a dans la description le lien de ma page Facebook que vous pouvez aller liker pour m'encourager à continuer. Je l'ai créé, voilà, tout simplement, vous pouvez mettre mes vidéos, mes photos, des lives sur les fêtes foraines. Donc si vous voulez être au courant de l'activité de FanDride, je vous invite à aller liker la page Facebook FanDride Vidéo du Monde Forain. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de Chalon-sur-Saône. La prochaine, ce sera sur le Technopower. Et ensuite, ça viendra d'autres vidéos sur des manèges à sensations. A très bientôt les FanDride, et je vous dis ciao ciao.